M. Shaker, vous venez de donner une conférence sur le bureau virtuel, donc comment on arrive à créer des environnements de bureau virtuel en milieu de travail. Parlez-nous tout d'abord d'à qui ça s'adresse exactement, le bureau virtuel, et aussi à qui ça ne s'adresse pas. Oui, certainement. Bien, lors de la présentation, on a vu que le bureau virtuel, c'est quand même quelque chose qui est complexe à la base, dans le sens que ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Donc, il faut vraiment cibler nos utilisateurs. Lorsqu'on considère des concepts comme le « bring your own device », par exemple, donc de permettre aux utilisateurs d'apporter leur propre équipement, le bureau virtuel va souvent adresser ce type d'utilisateur-là, de permettre d'accéder aux applications de l'entreprise à partir de n'importe quel type d'équipement, à partir de n'importe où également, mais tout en conservant un accès sécurisé. Donc, les données sont centralisées et tout. Mais ça ne s'adressera pas aux organisations ou aux gens qui doivent travailler sur des charges de travail très lourdes, comme par exemple lorsqu'on parle de 3D, des applications de graphiques lourds et qu'on doit travailler de longues heures à l'intérieur de ça. Ce genre de plateforme-là ne permet pas réellement d'avoir une bonne expérience utilisateur sur des environnements liviers. Et quand on parle justement de virtualisation des postes de travail, il y a du bon et il y a du mauvais. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un portrait des avantages et des inconvénients des environnements virtuels? Oui, c'est un peu ce que j'appelle le bon, la brute et le truand. C'est que lorsqu'on regarde les avantages d'un environnement VDI, un environnement VDI va permettre beaucoup d'avantages, comme par exemple un déploiement d'applications très, très rapide. Donc, d'un endroit centralisé, en quelques clics de souris, je déploie mes applications rapidement. Ou lorsque je pense aux mises à jour d'applications, c'est exactement la même chose. Dernièrement, beaucoup d'organisations ont des défis juste à penser de migrer de Windows XP à Windows 7 ou Windows 8. Lorsqu'on parle de virtualisation de bureau, ça, on va pouvoir le faire de façon beaucoup plus rapide lorsqu'on est sur un environnement VDI. Par contre, lorsqu'on parle des effets un peu plus négatifs des environnements VDI, un peu comme on a mentionné, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Et lorsqu'on a, par exemple, des applications ou des environnements qui demandent beaucoup plus de ressources, pensons par exemple à la vidéoconférence. D'effectuer quelques vidéoconférences sur un environnement VDI peut toujours fonctionner. Mais lorsque j'ai, par exemple, 1000 utilisateurs sur un environnement VDI et qui désirent faire de la vidéoconférence, c'est beaucoup plus limitatif. Imaginons la qualité de service qui pourrait être impactée. Imaginons également le CPU, les ressources requises sur l'environnement serveur pour répondre à un besoin de vidéoconférence ou encore là du Voice over IP. Donc, ce sont ça un exemple de points un peu plus néfastes ou je dirais plus négatifs de l'environnement VDI. Ou encore là, le stockage. C'est le point le plus majeur et lui qui a le plus d'impact sur un environnement VDI, le stockage, puisque nos environnements de système d'exploitation résident sur des disques à quelque part et tout l'accès aux disques, que ce soit par lecture ou écriture aux disques, peuvent être impactés si notre configuration n'est pas bien faite. Donc, encore là, ce sont des points à tenir en considération lorsque je fais du VDI et c'est ce que moi j'appelle un peu la brute et le mauvais, là, où il faut vraiment regarder ça de façon attentive et de prendre les bonnes orientations et les bonnes décisions. Et quand on veut mettre en place une solution VDI, une solution de virtualisation des postes de travail, à quoi il faut penser au niveau de la stratégie? Quelles sont les questions à se poser avant de se lancer? Oui, dans un premier ordre d'idée, il faut connaître son environnement. Donc, quand je dis connaître son environnement, c'est de bien connaître qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur nos postes de travail. Est-ce que, par exemple, en termes de ressources sur nos PC, c'est quoi les ressources qui sont utilisées en termes également mon type d'application, etc. Pour ce faire, ce qu'on recommande, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse de bureau. Il existe aujourd'hui des outils qui nous permettent de pouvoir avoir une photo exacte de notre parc informatique et de voir exactement qu'est-ce qui se passe sur les postes de travail. Par la suite, ça nous permet de prendre une stratégie de savoir quels sont mes utilisateurs qui vont pouvoir accéder à mon environnement VDI. Par exemple, est-ce que ça va être des gestionnaires de projets? Est-ce que ça va être des courtiers en placement? Ou autre, ou est-ce que ça va être également des consultants. Donc, dépendamment du type d'utilisateur, aussi mon orientation, ma stratégie va être différente. Par la suite, ça va être de faire ce qu'on appelle une preuve de concept, un pilote, suivi d'une progression, d'un déploiement progressif de mon environnement. Est-ce que je vais aller d'une façon 100% déployée en mode VDI? Généralement, non. La stratégie utilisée va être généralement d'utiliser des environnements hybrides.
Donc, déterminer un environnement VDI pour des utilisateurs bien ciblés. Puis pour mes autres utilisateurs, tantôt je disais les utilisateurs, par exemple, qui utilisent du CAD, du 3D, peut-être que je vais également décider de les conserver sur des postes de travail de type workstation. Donc, ma stratégie va être différente en fonction de mon analyse et mon orientation, si également je permets le bring your own device ou autre concept de la sorte. Merci beaucoup, M. Shaker. Merci à vous.